C'est le moment des questions orales. La parole à la chef de la loyale opposition de Sa Majesté. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma première série de questions au Premier ministre porte sur, d'après nous, ce qui manque du budget d'hier. Peut-être le Premier ministre ne le sait pas, mais nous sommes toujours en train de traverser une pandémie. Plus de 2 000 cas ont été signalés hier en Ontario. Les gens sont toujours en crise. Les travailleurs essentiels en première ligne, dans les points chauds, font face toujours à la troisième vague de la pandémie. Mais cependant, ces deux mots, troisième vague, ne figurent pas au budget d'hier. Mais c'est quelque chose de grave, car le budget ne comprend pas des congés maladie payés pour ces travailleurs essentiels en première ligne. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas inclus ces congés maladie payés pour ces travailleurs, étant donné que la majorité des experts nous disent que c'est ce que doit faire l'Ontario? Rassez-vous, s'il vous plaît. Le ministre des Finances et président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président, et merci à la chef de l'opposition de cette question. Monsieur le Président, il existe un programme fédéral. C'est un programme fédéral qui fonctionne bien. 250 000 Ontariens ont participé à ce programme. Il reste 700 millions de dollars dans le budget de ce programme. Toutes les provinces ont bénéficié de ce programme. Donc, je demande à la chef de l'opposition de nous aider à faire en sorte que tous les Ontariens soient au courant de l'existence de ce programme. Et si nécessaire, les Ontariens peuvent s'isoler dans des centres d'isolement. Et je vais vous dire le suivant. La meilleure façon de se battre contre la pandémie, c'est par voie des vaccins. Donc, aidez-nous à faire en sorte à ce que tous les Ontariens qui le souhaitent puissent se faire vacciner. Question complémentaire. Une autre chose qui manquait du budget, en fait, c'est le fait que les survivants du réseau des foyers de soins de longue durée n'ont aucun espoir dans le budget pour qu'on s'attaque aux problèmes dans le secteur. Durant la première vague, il n'y avait pas d'urgence pour sauver les vies des gens et pour régler les problèmes dans les foyers de soins de longue durée. Ensuite, la deuxième vague est arrivée et c'était la même chose. En fait, plus de personnes sont décédées durant la deuxième vague que durant la première. C'est ce qui s'est produit en Ontario. Mais dans le budget, il n'y a pas d'investissement pour des inspections supplémentaires. Il n'y a pas d'augmentation permanente des salaires des préposés de services de soutien à la personne. Il n'y a rien pour améliorer les conditions de travail des préposés de services de soutien à la personne. On n'enlève pas les profits des soins de longue durée. Pourquoi le budget a-t-il manqué à ses obligations envers le secteur des soins de longue durée? Le ministre des Finances, merci de cette question. Lorsque la chef de l'opposition a appuyé le gouvernement libéral, il me semble qu'elle ne se servait pas du mot « urgence », car 611 lits ont été ajoutés au cours d'une décennie. Le mot « urgent » fait partie de notre stratégie. 20 000 lits ont déjà été alloués. En fait, nous faisons des projets de construction rapide pour que ces lits soient disponibles d'ici la fin de l'année. Il y aura 4 heures de soins, c'est l'étalon or au Canada. Et nous recrutons déjà les préposés de services de soutien à la personne. Nous voulons donc retenir ces employés, nous voulons les recruter et nous voulons que ces personnes aient d'excellentes carrières dans ce secteur. Complémentaire final. Une autre chose qui nous a vraiment déçus, c'est une autre chose qui manque du budget, c'est le fait qu'il y a des centaines de milliers d'Ontariens qui attendent des interventions chirurgicales, des dépistages et d'autres procédures médicales. Certaines de ces personnes sont aux prises avec le cancer, mais le gouvernement n'a pas investi pour éliminer l'arriéré. En fait, en Colombie-Britannique, la planification a commencé au printemps de l'an dernier. Et en fait, cet arriéré sera réglé d'ici l'été.
Mais ce n'est pas le cas en Ontario. Pourquoi le gouvernement a-t-il tourné le dos à tous ceux et celles qui souffrent et pourquoi il n'y a rien dans le budget? Pourquoi il n'y a pas un plan approprié qui vise à éliminer cet arriéré en matière d'intervention chirurgicale? Le ministre des Finances, merci, Monsieur le Président, merci à la députée d'en face de cette question. Tous les gens qui ont travaillé fort durant la pandémie, y compris les travailleurs de la santé en première ligne, les infirmières, les préposés de services de soutien à la personne, les médecins et ceux qui les appuient, ce sont des héros. Mais permettez-moi de dire le suivant. Il me semble que la chef de l'opposition n'a pas lu le budget, car nous apportons des investissements sans précédent pour le réseau de la santé. Nous bâtissons des hôpitaux, nous améliorons le financement des soins de longue durée, nous améliorons les services en matière de santé mentale et de dépendance. Dans le budget, en outre, le financement supplémentaire pour l'arriéré des interventions chirurgicales, il y aura 300 millions de dollars de plus et nous allons éliminer cet arriéré. Question suivante, la chef de l'opposition. Cette question s'adresse aussi au premier ministre. Dans le budget, c'est le tiers par habitant de ce qu'investissent les autres provinces pour se débarrasser des arriérés. Le budget confirme qu'il y aura davantage de réductions budgétaires dans les écoles. Il y aura moins de travailleurs dans les écoles. En fait, il y a 1 milliard de dollars en compression à l'éducation. Combien d'éducateurs, combien d'enseignants, combien d'aides enseignants seront virés cette fois-ci? Le ministre des Finances. Merci à la chef de l'opposition de cette question. En fait, on est en train d'augmenter les dépenses en éducation. Les dépenses augmentent à chaque année grâce à notre plan. Nous avons eu l'apport des parents et des Ontariens. Et ils nous disent que la chose la plus importante, c'est de rouvrir les écoles sécuritairement. Nous avons investi 1,6 milliard de dollars pour le faire et les Ontariens en sont reconnaissants. Mais nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous voulons que les élèves soient en toute sécurité à l'école et ils pourront aussi avoir accès à l'apprentissage en ligne. Car durant un confinement, il faut avoir une vitesse Internet adéquate. Nous apportons des investissements historiques pour que tous les élèves puissent avoir accès à Internet. Question complémentaire. Monsieur le Président, les conseils scolaires s'apprêtent déjà à faire des mises à pied. Selon les conseils scolaires à Ottawa, 167 postes seront éliminés. Le gouvernement a émis un document demandant au conseil scolaire de s'apprêter à ces mises à pied. Donc, après un an de bouleversement, après l'année la plus difficile chez nos élèves, pourquoi le gouvernement pense-t-il que c'est le bon moment de miner les mesures de soutien plutôt de faire en sorte que nos élèves aient les soutiens dont ils ont besoin et pour que nous ayons les travailleurs en éducation nécessaires? Ces membres du personnel sont nécessaires pour que les élèves puissent se rétablir à la suite de la pandémie. Le ministre de l'Éducation. Merci. Le plan d'action a été dévoilé par le ministre des Finances et cela confirme une augmentation nette de 700 millions de dollars dans l'éducation. Il n'y a eu aucun gouvernement dans l'histoire de cette province qui a dépensé plus que le premier ministre Doug Ford. Nous sommes déterminés à augmenter les investissements. C'est pour ça que nous investissons dans les métiers spécialisés et dans les cours d'été. C'est pour ça que nous améliorons l'accès à Internet large bande. Nous allons mettre un terme à l'écart numérique dans cette province. Nous investissons dans toutes sortes de domaines. Et je tiens à dire à la chef que nous allons mieux financer la subvention pour les besoins des élèves. C'est un engagement de la part du gouvernement d'investir dans l'éducation de qualité. Question complémentaire. Quelques informations pour le ministre de l'Éducation. Les écoles ferment leurs portes aujourd'hui. Nous sommes en train de voir une troisième vague. Il y a plus de 2300 nouveaux cas aujourd'hui. Il y a toujours une crise. La pandémie n'a pas tiré à sa fin en Ontario. Les élèves ont besoin de soutien
plus que jamais. Pourquoi le gouvernement ne comprend-il pas la situation? Pourquoi congédie-t-il des enseignants, les travailleurs qui sont essentiels pour nos élèves? Le ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, ce qui ne fait aucun sens, c'est le fait que la chef de l'opposition s'oppose à nos efforts pour fournir une aide financière aux Ontariens. Donc cela suggère que la chef de l'opposition ne comprend pas la situation. Le gouvernement est déterminé à investir dans l'éducation. Vous devez faire vos observations par l'intermédiaire de la présidence. Cela souligne le fait que le gouvernement investit dans l'apprentissage de qualité dans les écoles sécuritaires tout en donnant une aide financière aux parents. Nous offrons des mesures de soutien direct aux élèves, 500 $ pour enfants. C'est tout un engagement pour aider les contribuables, les parents et pour protéger les écoles de notre province. Question suivante, le député de Toronto-Danforth. Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques instants, la Cour suprême s'est statuée contre le Premier ministre. Cette question s'adresse au Premier ministre. Pour citer la Cour suprême, le changement climatique est réel et pose une menace grave pour l'avenir de l'humanité. Après des années d'argent perdu et de temps perdu, le Premier ministre va-t-il avouer qu'il a tort et va-t-il arrêter de s'opposer aux efforts pour régler la crise climatique? Le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Merci, Monsieur le Président, et merci au député d'en face de sa question. Depuis le début de notre mandat, nous sommes battus pour les familles et les petites entreprises. Nous sommes d'accord que les changements climatiques constituent une menace pour notre province. Nous voulons pouvoir réduire les émissions de gaz à effet de serre, protéger l'eau et l'air, et nous voulons un bon plan climatique. Cependant, d'après nous, il y a une autre voie à emprunter pour atteindre ces objectifs, et ce n'est pas ce que suggèrent les députés d'en face. Nous pouvons réduire nos émissions de gaz à effet de serre, réaliser nos objectifs tout en protégeant l'eau et l'air. Et notre plan, en fait, comprend notre toute première stratégie pour l'hydrogène. Nous avons un plan de réduction des émissions pour des véhicules lourds et nous travaillons avec les fédérales pour mettre en place ces normes pour qu'il y ait moins de pollution dans la province. Question complémentaire au Premier ministre. Nous avons besoin d'un plan néo-démocrate pour se battre contre le changement climatique et pour assurer la pérennité de la province. À la Cour d'appel, le gouvernement a perdu son affaire. Le gouvernement a perdu son affaire aussi devant la Cour suprême. La colère ne va pas régler la crise climatique. Il faut de véritables gestes. C'est un gouvernement qui veut paver des zones humides pour bâtir des entrepôts et dit que la tarification du carbone est une combine verte. Quand le gouvernement commencera-t-il à s'attaquer à la crise climatique comme le souhaitent les Ontariens? Rassez-vous, s'il vous plaît, le ministre de l'Environnement. Merci de cette question complémentaire. Nous pouvons atteindre un équilibre entre l'économie et l'environnement. Grâce à une bonne économie, nous pouvons mieux nous battre contre les changements climatiques. Non seulement nous avons lancé des consultations en matière d'hydrogène, nous évaluons aussi l'impact des changements climatiques dans la province pour que nous puissions être résilients et pour que les communautés puissent s'apprêter aux menaces posées par le changement climatique. Et nous allons fermer les centrales au charbon. C'est un processus qui a été commencé sous un gouvernement conservateur et qui sera terminé sous un gouvernement conservateur. Nous allons investir 30 millions de dollars dans les zones humides dans le cadre de notre programme de partenariat qui nous permettra de lutter contre le changement climatique et de protéger l'air et l'eau.
Question suivante, le député de Scarborough Agent Court. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le Président, comme vous le savez, à Scarborough Agent Court, on a été durement frappé par la pandémie. Scarborough abrite plus de 600 000 personnes et nous avons besoin d'investissements en santé pour appuyer notre communauté et pour freiner la propagation de la COVID-19. Monsieur le Président, hier, le ministre des Finances a déposé le budget de 2021. Le ministre pourrait-il nous dire quels investissements seront apportés par notre gouvernement pour arrêter la propagation de la COVID-19? Le ministre des Finances, merci aux députés de Scarborough Agent Court de cette question. Monsieur le Président, comme je l'ai dit hier, on ne peut pas avoir une bonne économie sans une population en santé. Au cours de la dernière année, nous nous sommes concentrés sur la protection des gens contre la COVID-19, mais cependant, il nous reste du chemin à parcourir. On est en train de distribuer les vaccins partout dans la province, tant qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Nous allons faire tout en notre pouvoir pour protéger les Ontariens de la COVID-19. C'est pour ça que le budget 2021, protéger la santé de la population et notre économie, comprend un investissement total de 16,3 milliards de dollars. Les libéraux ont ignoré les besoins en matière de santé de la province pendant 15 ans, mais ce gouvernement apporte les investissements que les Ontariens méritent. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Ma question complémentaire s'adresse à la ministre de la Santé. C'est une excellente nouvelle pour ma communauté. Je sais que tout le monde sera ravi d'entendre parler de cet investissement pour protéger les Ontariens durant la pandémie. Améliorer le réseau de la santé est exactement ce qu'a besoin la ville de Scarborough. La ministre de la Santé peut-elle expliquer ce que signifient les investissements qui seront apportés au réseau de la santé en Ontario? La ministre de la Santé, merci, Monsieur le Président, et merci au député de Scarborough Agent Court de sa question et de votre défense de vos commettants. Notre gouvernement pose tous les gestes nécessaires pour freiner la propagation de la COVID-19 tout en apportant des investissements records dans la santé, c'est-à-dire une augmentation du financement de base pour la santé qui se chiffrera à 64 milliards de dollars. C'est une augmentation de 4,7% par rapport à l'an dernier. Anthony Dale de l'association hospitalière a dit qu'il est très reconnaissant pour les investissements annoncés. Il remercie le gouvernement pour avoir fourni aux hôpitaux les moyens financiers pour qu'ils puissent être stables durant cette crise. Notre gouvernement continuera à apporter des investissements records à la santé pour que les patients puissent recevoir des soins de qualité chez eux. La députée de Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Nous devons parler de la subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises. Moi, j'ai parlé à bon nombre de propriétaires de petites entreprises frustrées qui n'ont pas été admissibles car les critères sont trop étroits. Des milliers d'entreprises n'ont pas eu d'aide. On parle de toutes sortes d'entreprises qui espéraient voir des critères modifiés, des critères d'admissibilité de cette subvention, pour que toutes les entreprises touchées puissent avoir une certaine aide. Mais elles ont été oubliées encore une fois. Le ministre fera-t-il ce qui s'impose et va-t-il faire en sorte que toutes les entreprises puissent accéder à ce soutien nécessaire? Le ministre des Finances, merci à la députée de cette question. Les petites entreprises dans notre magnifique province sont le moteur économique de la province et elles sont aussi l'identité de nos communautés. C'est pour ça que nous avons lancé le programme de subvention ontarienne pour le soutien aux petites entreprises qui touche plus de 100 000 entreprises qui ont fait la demande pour cette subvention. Nous appuyons ceux qui ont été touchés par le confinement et hier, j'ai annoncé que nous doublons
le financement de ce programme. C'est souvent la différence entre payer ses factures et faire faillite. Et nous aidons aussi une autre subvention pour les petites entreprises du secteur du tourisme et de l'accueil. Notre gouvernement défend les petites entreprises. Nous étions là pour elles par le passé et nous serons là pour elles demain. Question complémentaire hier soir sur The Agenda. Un propriétaire de petite entreprise a été demandé d'évaluer le bilan du premier ministre et elle a dit que je ne lui donnerai pas une bonne note. Elle a dit que l'aide à date est pathétique. Une entreprise sur six est à risque de faire faillite. La dette moyenne, c'est 170 000 $. Ces entreprises ont besoin de plus d'aide. Il y a 2400 cas dans la province aujourd'hui. Donc le ministre, que dit-il aux propriétaires de petites entreprises qui sont déçus par le budget d'hier? Quel espoir pouvez-vous leur donner, étant donné que vous n'avez pas reconnu les difficultés auxquelles elles ont fait face durant la pandémie? Le ministre associé délégué à la petite entreprise. Merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de cette question. Au cours des derniers mois, nous avons été à l'écoute des propriétaires de petites entreprises. C'est pour ça que le ministre des Finances a lancé la subvention de soutien aux petites entreprises, c'est-à-dire jusqu'à 20 000 $ pour les aider. 1,4 milliard de dollars a été versé et hier, le ministre des Finances a annoncé qu'il allait doubler le financement de cette subvention. Nous allons continuer à appuyer les petites entreprises qui ont beaucoup souffert durant la pandémie, nous leur donnant une remise de 100 % des impôts fonciers et des coûts d'énergie. Et le programme fédéral offre 90 % du loyer et 75 % de la masse salariale. Nous ne ménagerons aucun effort pour que les petites entreprises reçoivent l'aide dont elles ont besoin pour traverser cette période difficile. Merci. La question suivante, la députée de Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, à plusieurs reprises, ce gouvernement met en évidence le fait que s'attaquer au changement climatique n'est pas une priorité. Il mine les pouvoirs des offices de protection de la nature, il apporte des ordonnances de zonage ministériel, et donc le gouvernement met à risque l'environnement. Et le budget n'est pas différent. Il n'y a aucun engagement financier pour réduire les émissions, il n'y a aucune cible claire et il n'y a aucun plan pour une relance verte. La décision de la Cour suprême sur la taxe sur le carbone met en évidence le fait que le gouvernement a dépensé des millions de dollars des contribuables pour s'opposer à la protection environnementale. Donc ma question est la suivante. Pourquoi le gouvernement ne prend-il pas au sérieux le changement climatique et pourquoi est-ce qu'il ne protège pas de façon proactive l'environnement pour les générations futures? Ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et des Parcs, merci pour la question de la députée de l'opposition. Je pense le contraire. Nous croyons en le développement durable. Nous pensons que nous pouvons combattre les changements climatiques. Nous pouvons avoir un bon équilibre avec l'économie. Et c'est ainsi que nous allons agir. Nous nous sommes assurés d'atteindre nos objectifs de 30 % Nous avons de nouveaux programmes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La députée n'était pas là au début de la séance. Peut-être qu'elle a manqué certaines informations, mais il faut qu'elle soit d'accord. La stratégie à hydrogène, la première en ce genre, est une excellente stratégie. Nous allons atteindre le niveau zéro pour l'émission des voitures, pour les autobus. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Nous savons que cette année a été très difficile pour beaucoup d'Ontariens. Ce dont ils ont besoin, c'est que le gouvernement agisse pour eux. Pourtant, des investissements sont manquants par rapport au PSSP notamment. Il n'y a pas de soutien adéquat. Les mères qui ont dû quitter le travail, les étudiants,
etc. Ces personnes ont besoin d'un gouvernement qui combat pour leur futur, qui combat le changement climatique. Est-ce que le gouvernement va s'excuser auprès des contribuables parce qu'il a gaspillé autant d'argent plutôt alors qu'il devrait combattre pour l'environnement? Ministre des Finances, merci à la députée pour la question. Nous en faisons beaucoup pour protéger l'environnement. Nous investissons dans les véhicules électriques, par exemple. Nous avons investi dans l'usine Ford, par exemple, pour l'Ontario. Cela aidera notre industrie du minerai également. Nous voulons être un chef de file quant aux véhicules électriques. En tant que ministre des Finances, nous avons financé plus de projets verts que n'importe quelle autre province. En fait, 27 projets totalisant 9 milliards de dollars vont en ce sens et cela réduira les émissions. Nous voulons des véhicules électriques et investir dans les technologies, dans les cours d'eau, les parcs, et nous allons continuer de faire ces investissements. Merci. Question de la députée de Eglinton-Lawrence. Hier, le ministre des Finances a dévoilé le budget de 2021. Le ministre a parlé d'investissements majeurs pour les PME et dans le domaine de la santé. Dans ma circonscription et dans toute la province, les parents et les familles ont été durement touchés par la pandémie. Pendant l'année, beaucoup de parents de ma circonscription vivent avec du stress. Ils ont de la difficulté à soutenir leurs enfants et l'éducation. Est-ce que le ministre peut dire quel soutien est disponible pour les parents et pour les enfants? Qu'avons-nous mis dans le budget de 2021 par rapport à cela? Ministre des Finances, merci à la députée de Eglinton-Lawrence pour cette question. Elle a raison. Les parents, les familles ont besoin de soutien. Maintenant plus que jamais, alors que nous combattons la COVID-19. Le budget nous permettra de répondre à nos engagements. Nous allons continuer de garder les gens en sécurité. Cela offre un support additionnel pour les familles, pour les employés, et ce depuis le début de la pandémie. C'est pourquoi notre budget de 2021 propose de doubler le soutien pour les familles et pour les programmes d'apprentissage. Maintenant, tous les parents éligibles peuvent recevoir 400 $ par enfant et 500 $ par enfant qui ont des besoins spéciaux. Nous en sommes à quelques mois et non des années de notre réussite. Et nous allons continuer de protéger les Ontariens. Question complémentaire. Cette pandémie a été un défi pour les familles et les communautés de la province. Notre gouvernement a offert des investissements sans précédent aux écoles pour que les élèves soient présents et en sécurité. Nous l'avons fait parce que nous savons que les étudiants doivent être à l'école. Ils doivent apprendre avec leurs pairs. C'est critique pour leur développement, pour la santé mentale et pour un succès futur. Nos investissements nous ont permis de diminuer la transmission et les familles, les employés et les élèves ont pu être gardés en sécurité. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi il est critique d'offrir de l'argent directement aux parents? Ministre de l'Éducation, j'aimerais remercier la députée d'Eglinton-Lawrence de poser cette question pour les contribuables. En tant que gouvernement conservateur, nous voulons continuer d'offrir des fonds directs aux parents qui ont été durement touchés et qui ont fait de multiples sacrifices. Oui, nous avons mis davantage d'argent pour l'éducation publique. Et nous allons continuer d'offrir plus de soutien pour la santé, pour l'éducation. Nous voulons un nouveau départ. Nous voulions investir pour que les parents puissent recevoir des milliards de dollars dans l'ensemble. 400 $ par enfant, 500 $ par enfant avec des besoins spéciaux. Cela souligne notre engagement. Nous voulons soutenir les parents. Nous voulons combattre cette pandémie et revenir plus fort que jamais. Question suivante.
Député de Brampton-Est, plutôt. Pendant des années, le message a été clair. Brampton a besoin d'un nouvel hôpital. Nous en avons besoin pour rencontrer les besoins de notre population qui continue de croître. Malgré cela, le gouvernement conservateur et le premier ministre ont laissé Brampton derrière encore une fois. Il n'y a pas d'engagement pour construire un hôpital complet indépendant. Il n'y a pas de chronologie ni de budget pour cet hôpital. Il n'y a pas de salle d'urgence et il n'y a aucune reconnaissance pour Brampton. C'est le seul hôpital qui a été et se constamment sous-financé. C'est une gifle au visage des gens de Brampton. Le premier ministre n'a pas Brampton à cœur. Quand est-ce que ce gouvernement va offrir le respect nécessaire? Cela implique qu'il y ait trois hôpitaux et des soins intensifs. Est-ce que le premier ministre va s'engager à cela, et ce, aujourd'hui, ministre de la Santé? La pandémie de la COVID-19 a exposé beaucoup de failles dans notre système de santé. Il y a eu 15 ans de négligence auparavant. C'est particulièrement vrai avec le secteur de la santé dans la région de Peel. C'est pourquoi notre plan révisé implique un investissement de 32,1 millions de dollars dans les prochaines années pour étendre les hôpitaux. Ainsi, les gens pourront recevoir les soins nécessaires près de chez eux. Le budget de 2021 fait en sorte que nous nous engageons à augmenter les soins disponibles. Et nous voulons offrir un nouvel hôpital à Brampton. Cela augmentera de façon drastique la capacité des lits et les patients avec des besoins spéciaux pourront recevoir des soins. Merci. Question complémentaire. Encore une fois, au premier ministre. Les gens de Brampton ont envoyé un message clair. Nous avons besoin d'investissements dans notre système de santé qui est brisé. Il faut donc construire un hôpital supplémentaire et il faut que le mémorial soit un vrai hôpital. Mais le budget n'a pas de montant pour cela. C'est choquant. Il n'y a rien pour une salle d'urgence. C'est une disgrâce. Cela montre le peu de respect que le premier ministre a envers Brampton. Il n'y a pas d'avis pour la construction d'un nouvel hôpital. Et nous ne savons pas quand nous en verrons un. Donc, j'ai une question qui est très claire. Est-ce que le gouvernement s'engagera aujourd'hui de convertir le centre mémorial en un vrai hôpital et qu'il pourra en plus construire un nouvel hôpital pour enfin financer l'hôpital civique qui a été sous-financé et depuis des années? Premier ministre pour la réponse. C'est une journée excitante pour les gens de Brampton. Pendant des décennies, le NPD et les libéraux ont ignoré les gens de Brampton. Eh bien, j'ai un message pour eux. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Ils auront une salle d'urgence ouverte 24/7. Il y aura un nouvel hôpital là. Ce député a ignoré ses propres commettants. Le NPD et les libéraux n'ont pas pu ouvrir de clinique de 9 à 5. Alors que nous allons offrir un hôpital avec un service d'urgence ouvert 24/7. Ils peuvent l'administrer de la façon dont ils veulent, mais je peux vous le dire, nous allons commencer les travaux, car les gens de Brampton ont attendu beaucoup trop longtemps. C'était à cause du NPD et des libéraux, et nous, le Parti conservateur, voulons construire un nouvel hôpital pour les gens de Brampton. Question suivante. Député de Scarborough-Gilwood. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Les données que nous avons de ce gouvernement par rapport à l'environnement est troublant. Ils n'ont pas voulu combattre la taxe, ils n'ont pas voulu adhérer à la taxe sur le carbone. Ils ont dépensé plus de 70 millions de dollars. Ils n'ont pas
ils ont éliminé des stations de recharge pour les véhicules électriques. Ils ont utilisé les arrêts de zonage ministériels à multiples reprises et finalement, ils ont dépensé des dizaines de milliers de dollars pour empêcher des commerçants de mettre des autocollants sur les changements climatiques. C'est inconstitutionnel. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que les membres de votre parti reconnaissent que les changements climatiques sont une crise existentielle, que nos scientifiques ont dit qui est une vraie réalité? Ministre de l'Environnement et de la Conservation de la Nature et des Parcs. Merci pour la question. Je l'ai dit un peu plus tôt pendant la période des questions. Nous sommes d'accord. C'est une menace pour notre province. Et nous croyons que nous pouvons protéger notre air, nos cours d'eau. Nous pouvons combattre les changements climatiques. Nous pouvons avoir un équilibre entre l'économie et l'environnement. Cette députée et son parti ont mené notre province au bord du gouffre. Des milliers de PME ont fermé. Des fermes ont dû fermer. Et ils ont coupé dans la ceinture de verdure. Nous ne le faisons pas. Nous allons investir 30 millions de dollars dans nos zones humides, 20 millions de dollars pour protéger les territoires. Pendant, nous allons continuer d'étendre la zone de verdure, ce que ce gouvernement précédent n'a pas fait. Question complémentaire. Le NPD a créé la ceinture de verdure. À l'époque, nous étions le chef de file de l'OCDE en termes de croissance économique par rapport à l'environnement. Donc, ma question est la suivante. Le budget dévoilé hier était supposé offrir de l'espoir aux gens de l'Ontario. Pourtant, ce budget n'a pas offert de solution. Ce budget abandonne les Ontariens. En fait, nous ne savons pas, nous ne comprenons pas les grandes lignes du budget. Nous nous rappelons l'ancien budget et la fameuse annexe 6 qui était une menace aux services de protection de la nature. Cela a mené à la destruction de zones humides. Pourquoi est-ce que le gouvernement, ce gouvernement, n'a pas voulu inclure de relance verte dans ce budget? Pourquoi ont-ils manqué cette chance? Ministre de l'Environnement. Vous le savez, nous avons un plan environnemental pour protéger la terre, l'air et les cours d'eau. Nous continuons de combattre les changements climatiques. Nous voulons réduire nos émissions. Nous voulons atteindre les objectifs des accords de Paris. La députée de l'opposition continue de nous crier dessus. Je veux lui dire que nous continuons d'aller de l'avant pour cette province. Nous allons créer une nouvelle économie, des énergies qui émettent moins d'émissions. Notre projet par rapport à l'hydrogène permettra aux trains et aux autobus d'émettre moins d'émissions de carbone. Nous allons finaliser cette stratégie. Et le gouvernement de la députée a refusé de le faire dans le passé. Nous voulons mettre fin à l'industrie du charbon également. Nous investissons dans les zones humides également. Question suivante. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Les entreprises de ma circonscription ont des difficultés. Elles ont de la difficulté à comprendre qu'ils comprennent que la santé publique doit être protégée, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont de la difficulté à garder leurs employés. Le ministre des Finances, hier, a présenté le budget de 2021.
Je voudrais savoir qu'est-ce qui est dans le budget pour les PME de ma circonscription et de l'Ontario qui continuent d'avoir des problèmes financiers alors qu'ils continuent de combattre la propagation de la COVID-19. Est-ce que le ministre peut nous dire ce qui se retrouve dans le budget de, 2021 pour que je puisse en faire part à mes commettants? Réponse, ministre des Finances. Merci pour la question. Nous avons de très bonnes nouvelles, pas seulement pour les commettants de sa circonscription, mais aussi pour tous nos commettants ici. J'aimerais parler du CFIB. Ils ont dit qu'ils étaient contents de voir le soutien pour les PME. Avec cette nouvelle vague de financement, beaucoup de PME pourront davantage faire face à la pandémie. La Chambre de commerce de l'Ontario s'est exprimée également. Nous accueillons positivement ce budget. C'est un soutien qui est nécessaire. Nous pourrons ici jeter les bases pour une relance économique plus forte. Le budget 2021 aidera les secteurs les plus touchés, par exemple l'aide pour les femmes qui ont été touchées par la pandémie, l'industrie du tourisme également. Nous allons permettre ainsi une meilleure relance économique. Question complémentaire. Ce sont d'excellentes nouvelles pour les PME de l'Ontario et de ma circonscription. Ma deuxième question s'adresse au ministre associé à la réduction des fardeaux administratifs. Les subventions permettront d'aider les PME. Nous ne pouvons pas avoir une seule approche. Certaines entreprises ont des besoins particuliers. Est-ce que le ministre peut dire comment est-ce que cette subvention peut être utilisée? Ministre associé des petites entreprises et de la réduction du fardeau administratif, merci aux députés d'être un militant pour les PME. Nous voulons soutenir les PME. C'est ce que reflète le budget. Nous voulons aider les PME. C'est ce que le budget d'hier a fait. Notre gouvernement va continuer d'être là pour les PME. Cette subvention est un soutien direct pour les entreprises. Il y aura ainsi plus de flexibilité. Les entreprises peuvent l'utiliser pour remplir leurs besoins spécifiques. Par exemple, investir dans un site Internet ou couvrir certains coûts. Nous voulons que les PME de l'Ontario puissent utiliser cette subvention à bon escient. Les PME savent ce dont elles ont besoin. C'est pourquoi nous avons doublé le soutien avec un paiement automatique pour répondre et aider les PME qui sont en difficulté. Merci. Question suivante. Député de Brampton Centre. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Ce budget manque de ce dont les foyers de soins de longue durée ont besoin. Nous l'avons vu dans la communauté de Brampton et ailleurs en Ontario. Le gouvernement ne veut pas augmenter le salaire des PSSP. Il ne veut pas non plus qu'il y ait des inspections de qualité. Ce sont des façons simples et efficaces pour éviter les horreurs qui se sont produites dans les foyers pendant la pandémie. Pourquoi est-ce que ce gouvernement refuse d'écouter les experts en soins de longue durée de l'Ontario? Ministre des Soins de longue durée, merci à la députée pour sa question. Nous ne pouvons le nier. Les failles dans les soins de longue durée ont été exposées pendant la pandémie. Mais notre gouvernement répare et fixe les soins de longue durée, plus que jamais. Le budget de 2021 est un pas dans la bonne direction. Nous avons fait des investissements sans précédent. Nous avons investi 9,6 milliards de dollars. C'est beaucoup plus que les NPD ou les libéraux ont investi. 4,9 milliards de dollars dans les prochaines années pour atteindre 4 heures de soins directs par résident dans les foyers.
L'Ontario deviendra un chef de file au pays. Nous nous engageons à faire cela et le budget en est la preuve. 246 millions de dollars pour améliorer la situation dans les foyers de soins de longue durée. Nous voulons créer 27 000 nouveaux emplois pour les PSSP. 2,6 millions de dollars pour développer de nouveaux espaces. Tout cela fait partie de la réparation des foyers de soins de longue durée, ce que le NPD, par le passé, n'a jamais fait. Monsieur le Président, le gouvernement ne reconnaît pas la valeur des PSSP de notre province. Il n'y a pas d'augmentation de leur salaire. Il faudrait faire de la rétention pour ces emplois. Ce budget, en fait, encourage les PSSP de quitter les foyers de soins de longue durée pour aller travailler dans des opérateurs, chez des opérateurs privés. Le gouvernement a engagé 86 travailleurs dans les foyers, mais nous ne savons pas où ils seront placés. Donc, le gouvernement offre une occasion pour que ces PSSP travaillent dans des foyers privés. Pourquoi est-ce que vous éloignez ces travailleurs des foyers de soins de longue durée et les encouragez à aller travailler dans les foyers privés? Ministre des Soins de longue durée, encore une fois, la crise des soins de longue durée se produit depuis des années. C'est notre gouvernement qui a bientôt 17 000 employés qui pourront travailler. C'est un engagement historique. Nous avons investi 1 million de dollars, 1,9 million de dollars pour la rétention des employés. Nous avons 200 employés également qui vont bientôt être diplômés, qui pourront travailler d'ici l'automne. C'est un investissement historique par le gouvernement. Et nous allons réparer les soins de longue durée. Question suivante, député de Guelph. Ma question s'adresse au premier ministre. La Cour suprême, ce matin, a confirmé ce que nous savions tous. La poursuite par rapport au changement climatique a été un gaspillage de l'argent des contribuables. Cela a été basé sur des autocollants qui ne collent pas et des contrats annulés. Même la vérificatrice générale a dit que le gouvernement n'a pas réussi à rencontrer ses objectifs. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que le premier ministre va arrêter de gaspiller l'argent des contribuables et supprimer les initiatives environnementales et investir dans l'environnement? Ministre de l'Environnement, Ressources naturelles et des parcs, merci aux députés pour la question. Je l'ai dit dès le début. Nous sommes d'accord. Les changements climatiques sont une menace. Nous prenons les mesures nécessaires pour les combattre. Nous voulons les mêmes résultats. Nous voulons un environnement pur. Nous voulons de l'eau potable, de l'air pur. Nous voulons atteindre nos objectifs. Nous avons signé un accord avec le gouvernement fédéral. La différence, par contre, nous ne voulons pas prendre le même chemin. Nous pensons qu'il y a moyen de composer avec l'économie et l'environnement. Nous allons continuer de contrer les plus grands polluants de la province. Nous voulons que notre gouvernement fasse diminuer leurs émissions. Nous voulons tout à la fois maintenir les emplois et garder notre économie forte. Question complémentaire. À chaque jour, le ministère dit que nous voulons protéger la terre et les cours d'eau. Mais regardons ce que les citoyens ont dit par le passé. Il y a de cela 2 ans et demi, ils ont été saisis d'ouvrir la zone de verdure pour qu'elle soit développée. J'ai essayé de contrer cela. Récemment, ils voulaient construire sur Dufferin Creek et les citoyens se sont exprimés. Les citoyens
se sont prononcés contre l'autoroute 18 qui va passer sur des territoires agricoles. Et nous allons continuer de combattre cela. C'est ce que le gouvernement a fait. Le gouvernement avait l'opportunité d'enlever l'annexe 3 du budget du projet de loi 257. Est-ce que le ministre est vraiment sérieux quant à la protection des zones humides? Et si c'est le cas, vont-ils enlever l'annexe 3 du projet de loi 257? Ministre de l'Environnement, notre gouvernement a un plan très fort et nous en sommes fiers. Ce député n'a pas soutenu un de nos anciens projets. Les municipalités voulaient pouvoir s'occuper de leur territoire à l'échelle locale. Nous avons investi 20 millions de dollars dans notre partenariat de l'environnement. Nous avons investi également pour restaurer des zones humides. Nous consultons également, nous faisons des consultations pour étendre la zone de ceinture de verdure. Je suis fière des politiques environnementales que nous avons mis de l'avant, nos stratégies, la réduction des émissions avec les véhicules électriques. Nous allons réussir à atteindre les objectifs. Député de Parkdale High Park, ma question s'adresse au premier ministre. Nous savons que nous avons besoin de croissance économique, mais le premier ministre semble avoir oublié que sans action significative, il n'y aura pas de relance économique. Nous sommes au cœur d'une récession économique par les femmes. Les femmes ont subi énormément de pertes d'emploi. Nous avons besoin d'une relance pour les femmes et nous ne pouvons pas avoir cela s'il n'y a pas de service de garde qui offre des fonds, des prix adéquats. Que fait le premier ministre et le gouvernement par rapport à cela? Ministre des Finances, merci pour la question. Comme je l'ai dit hier, j'ai reçu de très bonnes influences de la part de femmes dans ma vie, comme ma grand-mère. Elle est venue en tant que réfugiée ici au pays. L'Ontario lui a offert énormément. C'était une enseignante. Mon gouvernement et moi-même comprenons à quel point le leadership des femmes a été affecté pendant la pandémie. Les femmes doivent faire partie de la relance, donc les services de garde sont importants. C'est pourquoi nous avons une équipe avec le ministre associé des services à l'enfance et des services aux femmes pour aider les femmes, nous assurer que notre relance économique puisse inclure les femmes incroyables de notre province. Question complémentaire. Ce budget ne résout pas le problème de l'Ontario. Nous n'avons rien pour les familles qui ont besoin d'un espace pour leurs enfants. Hier, l'année passée plutôt, plus de services de garde ont fermé que d'autres n'ont ouvert. Nous avons subi la perte de 58 services de garde. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas de plan pour régler le problème lié aux services de garde? Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette question très importante de la part de la députée de l'opposition. Comme j'ai souligné dans le budget hier, nous créons le soutien pour les apprenants qui sera un crédit pour les enfants qui va permettre aux familles d'avoir de l'argent directement dans leur poche. Et ça, c'est pour les enfants jusqu'à la 12e année. Et c'est le double de ce qu'on a fait auparavant pour que les parents puissent couvrir les frais de garde. Nous avons doublé les dépenses en ce qui a trait aux services de garde. Nous avons bâti 30 000 nouveaux services de garde. Nous avons déjà annoncé la construction de 20 000 d'autres dans la circonscription de Pickering, ainsi que la première école publique de Pickering qui aura également des
rénovation. Prochaine question, député de Glengarry. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de l'Environnement. Il y a quelques années, j'étais présente avec lui et avec plusieurs de nos collègues conservateurs lorsque nous avons annoncé, le leader précédent a annoncé que nous devons être plus sérieux au sujet du changement climatique. Et je cite que le parti des PC doit choisir le seuil pour la taxe carbone. Alors pourquoi est-ce que le ministre pense que la taxe carbone était la bonne taxe pendant sous Patrick Brown et aujourd'hui il fait quelque chose de différent? Réponse. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci à la députée de l'opposition pour cette question. Elle a été élue selon les mandats, selon le mandat de notre parti pour rendre les coûts de la vie plus abordables pour les familles et pour les PME. Et nous avons décidé de retirer le système de plafonnement et d'échange en ce qui a trait à la taxe carbone. Et nous, on n'est pas partis, on est restés là pour se battre pour les familles. Nous avons un plan, nous avons un chemin bien clair, on va s'assurer que nous satisfaisons aux chiffres en ce qui a trait aux émissions. Et je suis impatient d'avoir d'autres initiatives qui vont protéger l'environnement tout en continuant de faire évoluer l'économie dans la province. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. En réponse à la décision de la Cour suprême en ce qui a trait au fait que le système fédéral de taxe carbone était non constitutionnel, voilà ce qui a été dit. Nous devons protéger le terrain, les eaux et les airs de notre province en annulant le programme de plafonnement et d'échange. Nous avons dépensé 231 millions de dollars pour annuler des projets écologiques d'énergie et des règlements qui vont affecter la ceinture de verdure. Je ne suis pas sûre comment cela va protéger l'environnement. Alors comment est-ce que le gouvernement va justifier les dépenses de 30 millions de dollars aux contribuables quand ils ont refusé de protéger l'environnement? Réponse. Nous allons de l'avant avec un investissement de 20 millions de dollars dans les projets écologiques avec Greenlands. Nous allons continuer de travailler avec les offices de protection de la nature canadienne pour protéger nos terres et avec, comme le ministre des Finances l'a mentionné, nous allons de l'avant avec de lourds investissements avec l'entreprise Ford Canada pour les aider dans leur plan pour réduire les émissions de GES pour pouvoir atteindre nos cibles et aussi pour appuyer les eaux et l'air que nous avons dans la province. Et je suis fière du budget que le ministre des Finances a présenté et les initiatives écologiques pour que notre environnement et notre économie soient sains. Prochaine question, député de Humber River, Black Creek. Merci, Monsieur le Président. Un sondage mené récemment auprès de l'Association des services de santé de Black Creek a révélé que les aînés à haut risque qui font partie d'un groupe et qui vivent dans la région de Jane à Toronto n'ont pas trouvé que les vaccins étaient accessibles pour eux. Et il y a des centaines d'aînés qui vivent dans ces foyers et qui n'ont pas accès aux vaccins parce qu'il n'y a pas d'unité mobile de vaccination. Est-ce que le gouvernement est prêt à s'engager à assurer qu'il y aura plus de vaccinations mobiles? Réponse. Je suis tout à fait d'accord avec le député de l'opposition. Le temps est important ici. On veut s'assurer qu'on puisse vacciner le plus de personnes possible. Ce dont on a vraiment besoin en ce moment, c'est les approvisionnements. Hier, nous avons été en mesure d'effectuer 79 447 vaccins
Et c'est déjà très important. On sera en mesure de tripler, de quadripler ce chiffre dès que nous recevons les commandes. Nous avons déjà reçu une commande cette semaine, on attend une autre la semaine prochaine. Nous allons prolonger les vaccins à des pharmacies, à des cliniques. Nous avons un plan, nous serons en mesure de le lancer dès que nous avons les vaccins. C'est pour cela qu'on demande au gouvernement fédéral de nous envoyer les commandes et dès qu'on les reçoit, nous allons les partager dans tout l'Ontario. Vous avez raison, le temps est important et il faut vacciner les gens maintenant. Question complémentaire, député de Scarborough Sud-Ouest. Ma question est pour la ministre de la Santé. Mes commettants me disent encore qu'ils n'ont aucune idée si oui ou non ils sont admissibles pour leur vaccin. Des aînés qui n'arrivent pas à naviguer le système pour fixer les rendez-vous pour les vaccins. Je parle de gens qui sont sur les listes d'attente depuis des heures et des jours. Le ministre de l'Énergie devrait écouter. C'est vraiment troublant qu'on n'arrive pas à partager les histoires de nos commettants dans cette chambre. Mes excuses, je n'entends pas la personne qui parle. La députée peut recommencer. Merci. Les familles me disent qu'ils sont très préoccupés. Leurs proches qui sont âgés et qui ont des problèmes de mobilité ne sont pas en mesure de se faire vacciner. Une de mes commettantes m'a dit que sa mère a dû attendre dehors dans le froid pendant plus d'une heure pour se faire vacciner, même si elle avait un vaccin. Le programme de distribution des vaccins est mal organisé et ignore les besoins d'équité des gens. Pourquoi est-ce que Scarborough n'a pas été mentionné dans le budget du ministère de la Santé? Nous savons que la population âgée de Scarborough a des infrastructures les plus anciennes de la province. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne s'engage pas à avoir un plan et une stratégie de vaccins qui est plus équitable et qui prend en compte les besoins nécessaires des communautés comme celle de Scarborough et de Nord-Ouest de Toronto? Réponse, ministre de la Santé. Je tiens à dire qu'aucune partie de l'Ontario n'a été oubliée dans notre budget, y compris Scarborough. Et tous les hôpitaux partout dans la province ont reçu une augmentation de 3,4% qui a été reconnue par le chef de l'Association des hôpitaux de l'Ontario et il a été content d'avoir cet investissement qui va permettre aux hôpitaux de répondre aux besoins des patients de la COVID-19 et à la distribution des vaccins. En ce qui a trait à la distribution des vaccins, notre système de rendez-vous est robuste. Il a permis déjà de pouvoir fixer des centaines de milliers d'appels. Et hier, nous avons fixé 551 000 rendez-vous. Et s'il y a des gens qui ne sont pas en mesure de fixer leur rendez-vous, ils peuvent nous contacter. Nous voulons nous assurer que toute personne qui veut se faire vacciner se fait vacciner, que ce soit à travers leur médecin de famille ou leur centre communautaire. Tous ceux qui veulent se faire vacciner seront vaccinés. Merci beaucoup. Cela conclut notre période des questions ce matin. Le leader parlementaire du gouvernement a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais juste prendre la parole au sujet du règlement où je vais parler le règlement 59, où je vais parler du programme de la semaine prochaine au sujet du budget. On va commencer le lundi matin avec un projet de loi d'intérêt privé ce matin, le matin et l'après-midi. Nous allons continuer avec le projet de loi sur le budget. Le 29, encore une fois, le matin, on va commencer avec le budget. Et l'après-midi, nous allons continuer avec le budget. Le 30, on va continuer avec le budget, suivi par le projet de loi 257 l'après-midi. Le matin du 1er avril, on aura le 257 encore, et l'après-midi, on aura à nouveau le budget.
Vu qu'il n'y a plus d'affaires à l'ordre du jour, la Chambre reprendra à 13 heures.